Bonjour à tous, ici LOLBOY et bienvenue pour cette vidéo, la première de 2014, sur un jeu qui est sorti depuis un petit bout de temps, qui est Forza 5. Et comme je suis très nul sur le monde des jeux de voiture, je suis accompagné du seul et de l'unique Topher. Salut à tous et bonne année. Voilà, alors on voulait commencer déjà le début par une excellente année, plein de bonheur, plein de sexe, bon bref, passons. En tout cas, amusez-vous bien, la console prévoit le monde console prévoit beaucoup de choses. Beaucoup de licences, beaucoup de jeux, et on va parler d'un jeu qui est sorti l'année dernière mais qui reste quand même un pionnier dans son domaine. Nous allons parler bien sûr de Forza 5, comme vous pouvez le voir. Je suis accompagné de Topher parce que Topher l'a un petit peu rodé, saigné, parlé, c'est un grand habitué des Forza, donc vaut mieux avoir quelqu'un d'expert que moi qui n'y connais rien. Topher, donne-nous tes premières impressions déjà sur le jeu, en rentrant directement dans le jeu, qu'est-ce que tu as senti ? Alors Forza, en fait, pour être sincère, c'est un jeu qui a énormément de qualité. Cependant, bon, il y a quelques petits défauts. On va parler un petit peu des circuits, au niveau de la quantité, que ce soit les voitures. Il n'y a pas vraiment énormément de circuits. Après, si vous voulez, vraiment les choses qui vont être vraiment les points forts de Forza, ça va être vraiment les sensations que vous allez ressentir grâce à la manette Xbox One et ses doubles vibreurs. À savoir que vous avez une petite panoplie quand même de voitures qui sont pas trop mal. Les prix n'étaient pas accessibles au début, ce qui fait qu'en fait ils ont changé derrière la donne, ils ont remodifié avec une mise à jour les prix des voitures pour que ce soit un peu plus abordable et de pouvoir gagner un peu plus d'argent sur les courses. Donc du coup, là on va faire une petite présentation de Forza, ça va être simple, bref. Donc on est sur le menu d'accueil. Donc là, comme vous voyez, vous avez la carrière, les multijoueurs, les rivaux et le jeu libre. Donc ce qu'on va faire, on va commencer tout simplement par une petite carrière. Alors, qu'est-ce que le mode carrière, Topher ? Le mode carrière, en fait, c'est simplement la campagne, tout simplement. Donc, dans ta campagne, on te propose des championnats. Donc, ces championnats, en fait, ils sont répartis par plusieurs catégories. C'est-à-dire que tu as les compacts sportifs, les sports, les grands touristes, les exotiques. Enfin, voilà, tout ça. Donc là, si tu vas dans les petites voitures, voilà, on va faire les compacts sportifs. Tu commences avec des petites voitures type, Fiat 500, Golf, enfin, des petites voitures de série. Maintenant, plus tu vas avancer, bon, tu gagneras forcément plus d'argent, tu débloqueras plus facilement les voitures, mais tu vas avoir des voitures de différentes catégories. Donc voilà, qui peuvent aller jusqu'à la Formule 1. Formule 1 qui est une nouveauté, si je me trompe pas. Qui est une nouveauté, exactement, parce que la Formule 1 n'était pas sur les précédents Forza. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va lancer une petite course. Une petite course rapide, ouais. Une petite course rapide. On va commencer. Et on va aller tester la nouvelle McLaren P1. Donc une petite voiture assez sympathique, sur une petite course assez sympathique aussi. Le jeu étant très bien fait graphiquement parlant, Topher va plus nous expliquer sur les sensations qu'il a pendant la course, puisque là c'est vraiment du live direct, il n'y a pas de montage derrière, c'est vraiment pas de retouche, là on est vraiment en direct, direct de chez direct. Donc là voilà, une petite course assez sympathique. Qui va permettre justement d'avoir ces sensations et que Topher va commenter du début à la fin, bien sûr. Évidemment. Bien sûr, bien sûr. Alors, petit temps de chargement sur la vue de la course, enfin voilà, quelque chose de très simple, très épuré, mais en même temps très bien fait. Donc voilà, petit préambule de la course. Je te laisse nous expliquer un peu plus tout ça. C'est parti. Une fois que ça aura chargé, on va pouvoir y aller. Une fois que ça aura chargé, évidemment. Voilà, tout est bon. Donc c'est parti. Donc en premier temps, je vais vous présenter les différents types de vues que vous avez sur Forza. Vous avez les vues pas forcément à la troisième personne. Donc voilà. Vous avez deux vues hors cockpit. Ensuite, une vue à l'intérieur et une vue sur le capot. Voilà. Alors moi, si je peux me permettre, j'ai vu un petit truc tout à l'heure puisqu'on a eu l'occasion de l'essayer rapidement un petit peu avant, j'ai pu regarder un petit peu comment ça se passait. Effectivement, la vue intérieure, je la trouvais magnifique, simplement par le design qu'ils ont porté à l'intérieur de la voiture, alors que l'intérieur de la voiture, à vrai dire, on en a un petit peu rien à foutre. Mais pourtant, ça apporte un certain charme à ce jeu et c'est vraiment magnifique. Moi, j'ai trouvé ça tout simplement joli, quoi. On n'est plus sur le simple jeu en 2D où voilà, on voyait simplement le cul de la voiture, on a le rétro au milieu comme là la vue que Topher a pris actuellement. On peut vraiment se mettre à l'intérieur, à la place du pilote, quoi, ce qui donne vraiment plus de sensations. Mais surtout en plus, ce qui est pas mal aussi, c'est quand tu mets la vue intérieure, bah, le son en fait est retransmis de façon à ce que tu te sentes à l'intérieur de la voiture. Bah, vous allez le sentir puisque voilà, on enregistre avec le Elgato et c'est vrai que là vous allez pouvoir sentir les différentes sensations sonores.
Voilà, vous entendez bien le son étouffé à l'intérieur, c'est vrai que c'est très très bien fait. Moi je suis assez surpris par la qualité qu'ils ont portée à l'intérieur de la voiture. Donc voilà, petite course très simple. Hein. Petit détail, Topher étant un grand pilote, il s'est mangé une voiture. Et effectivement... Et ma vitre, elle a pris cher. La vitre est cassée. Un détail vraiment anodin, j'ai envie de dire, hein, le truc qui n'a aucun intérêt, mais le fait que quand il s'est mangé la voiture sur le côté, la vitre s'est cassée, ça a quand même son importance. Enfin, moi je trouve que ça donne un côté réaliste à la chose. Encore plus, enfin on est encore plus immergé dans le jeu quoi. Donc voilà, comme vous pouvez voir, le compteur est très bien fait, le volant, ça donne vraiment la sensation du carbone et tout. Enfin vraiment, on a vraiment des très très bonnes définitions. Alors je n'ai pas eu l'occasion de voir sur d'autres voitures comme des voitures un peu plus classiques comme les 206 ou des choses comme ça. Est-ce que c'est la même sensation? Est-ce qu'ils sont bien appuyés sur l'intérieur de la voiture? Vraiment, vraiment, oui, surtout, tu as tous les détails, tu peux visiter un petit peu aussi l'intérieur de ta voiture. Oh, putain, c'est magnifique. Éventuellement, quand tu utilises le Kinect, tu peux avoir ce qu'ils appellent le suivi de la tête. C'est-à-dire que si tu inclines ta tête sur la gauche ou sur la droite, et ben ton personnage, en fait, c'est comme si tu dirigeais la tête du pilote. Donc, tu pouvais regarder autour de toi. Comme sur Battlefield. Exactement, voilà. Donc ça, c'est assez sympa. Mais après, bon, c'est vrai qu'il faut prendre le coup parce que c'est pas évident, mais... Le coup, la tête. Plus le... Oh là là, c'est du direct, hein, je ne couperai pas ça au montage. Non, on garde ça, c'est dans la boîte. Mais voilà, mais c'est vrai que ce jeu reste quand même une très très bonne expérience. Moi qui n'ai pas forcément très jeu de voiture, je suis quand même assez impressionné vraiment par le réalisme qu'ils ont mis dedans, quoi. Et voilà, moi qui ai eu l'occasion aussi de conduire une Lamborghini dans la vraie vie, c'est toujours la grande question quand on est geek, dans la vraie vie, c'est vrai qu'on se retrouve très aimant dans ce style de voiture, vraiment très... un petit peu compacté, mais en même temps, dans la sensation qu'on est vraiment un pilote. Et c'est vrai que là, le jeu retranscrit bien ces sensations-là, quoi. Quel autre point voulais-tu qu'on aborde sur ce jeu, puisqu'il y a pas mal de points quand même à aborder? Bah sur ces points-là, moi j'aimerais bien qu'on parle un petit peu aussi du multijoueur, parce que en fait la campagne, enfin ce qu'on va dire, les championnats qu'on a au début dans le mode carrière, et bon, on va dire voilà, vous voyez bien que j'ai mis une petite distance quand même aux autres, donc en fait je trouve que l'intelligence artificielle, je la trouve assez faible. Vraiment, des fois quand on voit on a un handicap, les pilotes vont sortir de la route alors que bon, je veux dire, ils avaient pas besoin de sortir de la route, ils le font. C'est un peu cheaté dans le sens où ça va accompagner un petit peu le pilote pour qu'il avance bien dans sa progression. Maintenant, vous avez des petits trucs qui sont sympas aussi dans ce jeu là c'est, admettons, si vous n'êtes pas forcément très très bon au jeu de voiture, vous pouvez partir, par exemple voilà, je veux faire une sortie de piste juste pour vous montrer, voilà, ah bah tiens mince, je me suis planté, vous avez moyen de revenir en arrière avec une sorte de petit flashback qui vous permet en fait de vous repositionner avant de prendre vos virages. En fait, vous choisissez en fait l'emplacement. Ça, c'est sympa. Bon, c'est un peu cheaté en soi, mais ça vous permet en fait de... Plus vous allez l'utiliser, plus vous allez commencer à prendre vos virages et plus ça va vous entraîner, entre guillemets. Ouais, c'est quelque chose pour moi, quoi. C'est pour les gens qui connaissent pas trop, ouais, c'est vrai que c'est un bon début, quoi. C'est une chose qui va faciliter un petit peu le jeu. Alors, moi j'aimerais parler d'un petit quelque chose avec toi aussi, parce que tu parlais justement de tout ce qui est le multijoueur et tout ça. Comment ça se passe, parce qu'il y a eu un gros point fort pour Forza qui était la possibilité d'avoir, de jouer contre des collègues, des amis, des gens contre qui tu ne connais même pas du tout leur capacité au volant, mais de les avoir avec toi en train de jouer sans qu'ils soient forcément en train de jouer. Voilà, alors là par défaut en fait, quand on a des amis sur Xbox One, ses amis en fait, s'ils ont joué à Forza, ils ont enregistré leur chrono, donc ça fait qu'en sorte on a des fantômes qui de tous ces gens là qu'on retrouve sur chaque circuit, et donc à chaque fois vous pouvez les battre, et si vous les battez pas, ils peuvent vous proposer avec le mode ce qu'ils appellent le mode rivaux, de pouvoir battre les chronos en fait de vos amis. Donc ce qui est assez sympa, ça rentre un peu dans la compétition, c'est un petit challenge, c'est pas mal, c'est une belle nouveauté quoi, enfin. Moi je pense que là, ouais, pour quelqu'un qui est totalement novice comme moi dans ce style de jeu, c'est vrai que voir un certain investissement sur le challenge, alors je sais que beaucoup de gens vont peut-être critiquer ce que je vais dire tout de suite, PS4 a beaucoup basé les choses sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que depuis longtemps, Microsoft a beaucoup donné, et a même énormément donné, à tout ce qui est au niveau de challenge. Donc c'est vrai que là, pour moi, Forza me paraît logique que maintenant il y a un côté challenge, donc c'est vrai que côté où on peut battre ses amis, côté où il y a des IA qui ont été modifiées entre guillemets quand on joue,
Voilà, je pense que Forza a fait un gros pas en avant avec ça, malgré le manque de voitures que tu soulevais tout à l'heure. Et le manque de circuits. Et le manque de circuits voilà. Également. Je pense que ça arrivera avec le temps, mais là on arrive sur les consoles nouvelle génération, et rien qu'avec ça déjà on se trouve dans des jeux qui sont beaucoup plus poussés. Regardez le graphisme, rien que le graphisme déjà c'est autre chose quoi. On est vraiment, regardez, la voiture est abîmée parce qu'il s'est mangé des murs, on se demande pourquoi, hein. Ah oui, non. Mais voilà, c'est vrai que là on a vraiment un bon réalisme quoi. Et surtout ce que vous allez ressentir c'est ouais, vraiment la manette quand vous contrôlez la voiture, vous le sentez, que ce soit contre braquage, enfin quand vous dérapez, quand vous sortez de la piste, enfin tout est vraiment bien reproduit grâce aux vibrations et tout de la manette. Moi j'aimerais te parler de quelque chose qui est un peu, on va dire, général à tous les jeux de voiture, le volant. Est-ce que déjà tu as eu l'occasion de tester avec un volant ? J'ai déjà eu l'occasion de tester avec un volant, mais bon, soit c'était sur Forza 4 et c'était un volant de Microsoft. Et franchement, j'étais pas satisfait du rendu. Maintenant, après, apparemment, il y a des volants et tout qui procurent d'énormes sensations. Pour ça, faut aller sur le site Fanatec. Et là, vous avez toute une panoplie et tout de volants, de sièges auto. Enfin, vous avez tout, hein, les boîtes de vitesse, les pédaliers. Vous pouvez même mettre. Vous avez une sorte de cockpit qui vous permet d'avoir trois écrans avec un Dolby. Enfin, bon, les prix après, ils sont onéreux. Mais pour les fans, je le recommande. Voilà, faire un petit tour sur le site Fanatec. Je mettrai le lien dans la description, effectivement, pour que vous puissiez aller voir tout ça. Mais voilà, c'est vrai que le jeu représente quand même quelque chose. Alors, on va faire un petit tour dans les menus, puisque là, voilà, on vous a montré un petit peu comment se passait une course. Maintenant, on va regarder un petit peu plus dans les menus multijoueurs, puisque voilà, c'était quand même aussi l'un des gros points de Forza à sa sortie. Donc, c'est vrai que voilà, même le. Est-ce que tu veux bien nous montrer ton garage aussi ? Ah, bah voilà, on y est. Eh voilà, ben voilà, on est dans le garage, parfait. Il découvre mes pensées, c'est magnifique. Voilà, petite voiture assez sympa, voilà. Vous pouvez même mettre des autocollants sur vos voitures, vous pouvez customiser un petit peu vos voitures. Là, les jantes ont été modifiées, j'ai rajouté un aileron, j'ai mis un petit pare-choc à l'avant. En fait, voilà, vous pouvez customiser vos voitures. Toutes les peintures, vous avez différents types de peintures. Vous avez du mat, vous avez du chrome, du carbone, de l'or, enfin, vous avez énormément de choix. Donc là, par exemple, ce qu'on va faire, on va prendre une petite voiture, on va prendre une petite Skyline. Et on va faire un petit tour en fait à l'atelier pour aller peindre la voiture. Donc autre chose aussi avant d'aller peindre la voiture, tenez, je vais vous présenter aussi ce qu'ils appellent Forza Vista. Forza Vista. Donc ça, Forza Vista, ça vous permet en fait de regarder tous les points de la voiture. Donc en fait, par exemple là, je vais ici, il va nous parler en fait de certains éléments de la voiture. Ça peut être les jantes, les pneus, le moteur. Vous voyez, enfin, tout est détaillé. C'est un Wikipédia en fait. C'est un Wikipédia, mais tu peux même aussi rentrer dans ta voiture. Tu vois, tu peux même visiter en fait l'intérieur des voitures. Ah oh, là, c'est beau ça. Ça, c'est magnifique. Là, on est dans une Skyline. Donc, ce qu'on va faire, on va sortir parce que, comme c'est une voiture japonaise, le volant il est à droite. Alors, hop, on fait le tour de la voiture. Oh, attendez, on va ouvrir toutes les portes. Hop, ça c'est bon. Et c'est pas un FPS non plus. Voilà, donc là par exemple, il va me présenter l'intérieur de la voiture, je peux même la démarrer. Donc, où est le... Je démarre où ? Voilà, ah, start le ici. Petit start. C'est vraiment pour vous mettre dans l'ambiance quoi, là c'est vraiment, on est vraiment sur le truc bien poussé quoi. Ah, donc là vous regardez, vous avez tout l'intérieur, hein, tout est détaillé. Là si vous accélérez, bah la voiture est démarrée. Même le compteur bouge en même temps que vous accélérez. Enfin, vraiment tout est bien fait. Ça, c'est vrai que ce petit mode sympa, c'est plus pour le côté, je pense, ludique. Pour les fans, voilà. Aussi, pour les gens qui aimeraient voir un petit peu les nouveautés, les intérieurs et tout, parce que toutes les années, il y a toujours des restylages qui sont faits sur des voitures. Et voilà, donc ça permet en fait de découvrir un petit peu, d'avoir un petit côté technique, un petit côté caractéristique de la voiture. Vous voyez, toujours une petite présentation et tout qui vous présente la voiture, son prix, son poids, enfin, ses performances, etc. Donc, on va pas s'attarder dessus, on va ressortir. Ça reste quand même quelque chose d'intéressant à voir, hein. il faut le dire. Voilà, après, bon, vous avez aussi donc, le garage, on va revenir sur la peinture. Donc là, vous avez le garage qui vous permet en fait de modifier différentes pièces de la voiture. Ce qui est, je pense, le gros avantage des consoles nouvelle génération et qui est des consoles même de l'ancienne génération où on pouvait déjà modifier des voitures. Mais c'est vrai que rajouter encore ça une fois de plus et encore plus se pousser, ça donne la sensation d'avoir sa propre voiture, quoi. C'est ça, tout à fait. Donc, vous voyez, là, on peut même choisir les jantes. Donc là, vous allez choisir... On va faire une petite voiture, juste pour le fun.
peut-être pas forcément faire une belle voiture, mais on va s'en faire une. Peut-être pas forcément la plus rapide, mais on va en faire une quand même. Voilà, il faut avoir un peu d'inspiration. Donc là, voilà, vous voyez, j'ai changé les jantes. Donc ce que vous pouvez faire éventuellement aussi, c'est changer la taille des jantes. Donc si par exemple, pour les fans ou les kékés qui aiment les grosses jantes, le tuning, Pimp My Ride, et ben, vous avez tout ce qu'il faut pour. Donc voilà, donc là j'ai changé les jantes, j'ai mis des grosses jantes. On peut aussi éventuellement changer les pare-chocs, donc certains ont plus de choix. Donc voilà, cette voiture elle est vite limitée. Donc j'ai mis un petit pare-choc à l'avant, on va mettre un gros aileron à l'arrière. Un gros aileron, voilà. Oh, tu as quelque chose à compenser mon jeune ami. Voilà, non du tout, j'ai rien à compenser, tout va bien mais... Donc voilà, donc j'ai mis des jantes, un aileron, enfin vraiment quelque chose de simple. Et là on va aller à l'atelier de peinture. Ok, je tiens quand même à le préciser, je sais pas si vous avez remarqué que l'atelier de peinture est différent de la customisation. Donc ça a quand même une certaine importance la peinture, et en fait Topher va vous expliquer un peu plus pourquoi. Donc voilà, donc... Vous avez les peintures simples, donc quand vous allez dans peindre, vous pouvez choisir les différentes parties de votre voiture que vous voulez peindre. Ce qui veut dire que là, on va faire toute la voiture pour le premier temps. Donc on va aller dans les catégories spéciales qui sont pas mal. Donc vous avez du mat, vous avez des couleurs type carbone par exemple aussi. J'aimais bien le chromé avant. T'aimais bien le chromé ? Ouais, un petit peu chromé comme ça. Oh, voilà. Un petit peu mat, je veux dire. Pardon. Mat, tu veux dire, ouais. Excuse-moi. Après, vous avez aussi tout ce qui est en Kevlar, Kevlar mat. Il y a des trucs qui ne devraient pas exister non plus. C'est des trucs très contemporains tout ça. Ah bah il y a une... Voilà, c'est pour les... C'est la Batmobile quoi. C'est la transition entre Call of, Battlefield et Forza. C'est... Voilà. Après voilà, tu peux mettre des peintures chromées, t'as des peintures en or, enfin... Vraiment, il y a un large choix au niveau des peintures. Parce que même au niveau des couleurs normales, vous avez différents tons qui permettent en fait... De vraiment personnaliser la voiture jusqu'au bout, quoi. C'est, ouais, c'est magnifique. Parce que là, on se rend compte vraiment que là, il n'y a plus de limite. Autant sur des jeux de course, je vais prendre le cas par exemple de Need for Speed, où là, vraiment, on peut se faire plaisir en termes de customisation. Forza commence à se rapprocher un petit peu de cette customisation, non ? En clair, oui. Voilà. Oui. On va dire oui. C'est pas fait vraiment. C'est pas un jeu qui est fait vraiment pour ça après. C'est pas un jeu qui est fait pour ça, mais c'est vrai que le côté customisation, moi, me plaît toujours autant dans les jeux comme dans les jeux de voiture en règle générale. Vous savez. On va prendre un exemple très concret, hein. Regardez sur GTA V, aujourd'hui on peut customiser sa voiture, alors que les précédents GTA, on pouvait pas customiser la voiture avec des coloris bien spécifiques, des logos et tout ça. Je pense que la customisation reste quand même un sujet qui prend de plus en plus d'ampleur dans tout l'univers du jeu vidéo. Regardez Call of Duty maintenant, avant on pouvait pas modifier la tête et le personnage, et même le sexe de son personnage. Ouais. Maintenant on peut tout faire sur Call of Duty Ghost. Donc je pense que maintenant la customisation a pris un point important. Mais c'est vrai que sur les jeux de voiture ça se voit de plus en plus. Et ça se voit mieux parce que c'est vrai que la voiture devient unique en fait. Exactement. Donc là, sur ce que je voulais revenir, donc là, je fais une petite voiture perso. Voilà. On peut partager en fait ce qu'ils appellent des livrées. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, vous avez votre voiture, vous avez fait vos jantes couleur noire, la carrosserie couleur noire. Vous pouvez partager cette livrée. Les gens peuvent l'acheter. Par exemple, là, je vais aller sur. Voilà, je vais aller chercher une création. Donc on se connecte et ils nous proposent les différents choix en fait des gens qui ont personnalisé leur voiture et on peut se les approprier. Cependant après c'est verrouillé, c'est-à-dire qu'en fait si vous insérez une livrée, vous pouvez pas changer par exemple la couleur que des jantes. Vous avez vraiment la livrée complète. Donc il n'y a pas moyen de l'enlever, enfin faut le supprimer. Mais voilà, c'est pas en soi c'est pas trop gênant. Ça vous permet en fait de vous donner aussi des idées si vous voulez customiser votre voiture un peu de cette façon. Alors justement, moi je permets de rebondir sur un point, si on voit ça aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait tu peux customiser ta voiture, même les peintures, parce que quand je vois cette peinture-là, elle n'existe pas dans les sélections que tu as utilisées. Ah non, ça en fait, si tu veux, c'est toi qui les fais toi-même. Tu vas dans appliquer déco par exemple, décalco, et là par exemple sur le côté droit, bah tu veux mettre une sorte de vinyle, une forme, peu importe, vous avez plein de choses, enfin... Et c'est après, c'est à vous et votre création en fait de faire en sorte de comment dire, je pourrais même pas vous expliquer, c'est simplement c'est pour les artistes, ouais, en fait voilà, c'est vraiment artistes. T'es un artiste en l'âme, tu sais quoi faire. Moi j'ai pas cette vocation du tout, donc moi c'est vraiment des peintures simples, sobres et tout, quelque chose de propre, mais il y a des gens qui arrivent à s'éclater et des fois on a des très très beaux rendus. Alors, c'est-à-dire que maintenant, Forza touche aussi une communauté d'artistes, en gros. C'est-à-dire que maintenant, tu peux vraiment te faire plaisir avec des logos, enfin, tu peux vraiment voilà, tout faire. Voilà, complètement. Tu peux faire ta voiture comme tu le veux. Voilà.
Alors les amis, on a fait le tour de Forza. La vidéo dure une vingtaine de minutes. Bon, c'est un petit peu long, mais effectivement, on a été un peu plus dans le détail. J'espère que cette première vidéo de la nouvelle année va vous plaire. C'est la première vidéo de Topher aussi sur en le plus, site. Oui, voilà, c'est mon dépucelage, tout à fait. Donc voilà, donc ça fait depuis le temps qu'on attendait de faire une vidéo ensemble. Bah là, on a trouvé l'opportunité d'en faire une. Moi, j'espère que ça vous a plu. Effectivement, il y aura d'autres choses peut-être à présenter sur Forza prochainement, peut-être avec les mises à jour ou des choses comme ça. Oui, ou je pense reviendra. Que là, on pourra parler aussi du multi qui a pas mal de menus et tout qui sont fort sympas. Voilà, bah, on fera une vidéo exprès, je pense, sur le multi ouais, pour vraiment bien catégoriser, on va dire, les choses. Nous, on va vous laisser hein, parce qu'on va aller dormir ou moi aller travailler, mais en gros, on va vous souhaiter une très bonne année encore une fois, puisque voilà, nous sommes déjà le 2. J'ai pas eu l'occasion de faire une vidéo entre temps, donc on vous souhaite une très bonne année avec Topher. Exactement, bonne année à tous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur un let's play, une découverte, un commentary, peu importe. On vous aime tous. Allez, tchou! Ciao!